Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je fais juste un petit réglage. Je fais juste un petit réglage. Je tâche de partager la vidéo sur mon profil perso, en fait. Bon, j'ai un petit souci de connexion. Alors, je vais essayer d'aller sur Facebook ici. Ah, ben voilà, je suis en connexion. Donc, c'est bon. Ah, ben c'est bon, je suis en direct. Alors, bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler de ce grand docteur Jean-Bernard Fortillat, en fait, qui a été placé en hôpital psychiatrique alors qu'il va très très bien, mais son problème mental, c'est aujourd'hui d'être non conformiste et d'être libre penseur. Alors pourquoi je vous parle de ces mots précisément, de cette description, c'est parce que c'est ce qu'avait écrit Claire Sévérac dans son livre en 2016. Alors, dans son livre en 2016, alors attendez. Toc, toc, toc. Donc, je l'ai là. Dans son livre en 2016, Claire Sévérac, dans son livre en page 342, expliquait que dans les dernières maladies de troubles mentaux, ils avaient ajouté la non-conformité et la libre pensée sont désormais considérées comme des maladies mentales. Et voyez, parce que le docteur Fortillon, alors, où c'est que partager. Alors, le docteur Fortillon, alors pourquoi je... Attendez, j'essaie de comprendre comment ça marche. Alors, le docteur Fortillon, en fait, il est interné à Uzès, dans le département du 30, et il est au centre hospitalier psychiatrique, le MAS Carréron. Et ce médecin, en fait, c'est celui qui a participé avec telle chaleur, à dénoncer un petit peu comment l'Institut Pasteur est mêlé à la création de ce coronavirus COVID-19. Et c'est ce qu'il avait dénoncé. Et puis, ce docteur, Jean-Bernard Fortillat, a porté plainte contre l'Institut Pasteur et il s'est retrouvé en asile psychiatrique alors qu'il a un CV. Alors j'ai essayé de retrouver son CV mais je n'arrive pas à le retrouver sur le site. Mais en fait, il a un CV incroyable. C'est un brillant, brillant chercheur, docteur. En fait, il a plein, plein de choses sur son CV. En fait, c'est incroyable. Et on a mis cet homme en asile psychiatrique et même son docteur Tal Chaler ne peut pas le contacter. Alors ils sont allés, j'ai eu cette vidéo ce matin, je vais vous la mettre. Là, ils sont allés à l'hôpital à l'entrée pour essayer d'aller voir Jean-Bernard Fortillon, mais ils n'ont pas pu le contacter.
Bonjour tout le monde, je suis actuellement à Uzès, où se trouve actuellement, donc comme vous pouvez le voir devant vous, où se trouve le professeur Fortian. Donc nous sommes au centre hospitalier Le Mas Cailleron, qui est un hôpital psychiatrique. Donc nous avons fait le déplacement jusqu'ici pour essayer de rencontrer le professeur Fortian, ce qui est assez compliqué puisque nous sommes actuellement avec un médecin qui s'appelle Tal Scheller, qui est son médecin traitant. Même lui, après avoir communiqué avec le centre de communication, l'empêche de rentrer et aller voir son patient. Donc nous sommes ici avec Agora TV et devant l'hôpital. Donc vous pouvez constater ce que j'étais en train de vous expliquer juste un tout petit peu avant. Toute l'équipe d'Agora TV est là et nous avons rencontré Chloé Fabry qui est ici avec Gérard Scheller et le professeur, le médecin Tal Scheller qui est ici. Voilà. Donc ça pose vraiment un gros problème parce que nous ne savons pas les raisons pour lesquelles il est ici. Nous avions des documents à lui fournir pour qu'il puisse donner des autorisations pour qu'on puisse lui venir en aide administrativement parlant, ce qui est devenu très compliqué. Chloé, tu es en direct actuellement Sur Facebook pour les Gilets jaunes gestion officielle. Wow, super, salut les Gilets jaunes. Voilà. Toujours là, faut pas lâcher. Mais là, tu vois, on est devant le portail, il est super. Non, faut pas faire ça. C'est violation de propriété privée. Tal a essayé de rentrer avec son statut de médecin. Et on lui a répondu. Ça n'arrive pas d'ici. Adressez-moi la famille, j'ai demandé à mon médecin de répondre aux questions. Mmh. Je vais vous demander de bouger un petit peu, parce que j'ai un contre-jour, on ne vous voit pas. Voilà. Donc, moi, j'ai dit exclu. Il n'y a que la famille qui peut en m'aider à adressez-vous la famille. Et même comme médecin, je n'ai pas le droit de voir. C'est une aberration. C'est pire que la prison, parce qu'en prison, il y a des droits de visite. Là, en l'occurrence, le docteur Tachar a demandé à pouvoir parler à un médecin. Il n'a pas pu avoir un médecin. Mais mon médecin de garde, ce soir, c'était une refus de garde. Alors, tu nous expliquais quelque chose juste un petit peu avant. Tu avais une information. Alors, j'ai une information. Je ne sais pas si ça s'applique ici, mais il semblerait que dans ces hôpitaux psychiatriques, quand quelqu'un est comme ça interné à la demande de la famille ou pour d'autres raisons, pendant 15 jours, il n'a aucun contact avec personne. Il n'a pas. Voilà ce que nous dit Tal Scheller. D'après une information. Une personne qui a travaillé dans un hôpital psychiatrique de cette région, dans ces conditions, souvent, pendant 15 jours, on ne peut pas voir la personne qui est internée. Donc, il est bien en hôpital psychiatrique et cet homme est en excellente santé. Le docteur est en excellente santé. Il a été placé en hôpital psychiatrique comme ça s'est trouvé être fait dans d'autres pays ou même en France. Des fois, on n'a pas besoin de mettre les gens en prison. On les met en hôpital psychiatrique. Tout ça parce que ils n'ont pas été d'accord avec ce qu'a dit le gouvernement, avec la pensée dominante qui est propagée dans tous les médias dominants, à la télé, sur les chaînes de télé, et puis dans les journaux, les plus grands journaux. Et tout ça parce qu'il a été libre penseur, il a fait ses propres recherches, et il en est venu à ses conclusions. Et bien, parce que ça n'a pas plu, parce qu'il a porté plainte en plus contre l'Institut Pasteur, il se trouve aujourd'hui emprisonné, non pas dans une prison, non pas dans un commissariat, mais dans un asile psychiatrique. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, selon le livre de Claire Sévérac, La guerre secrète contre les peuples, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des lois qui ont fait passer que maintenant, quelqu'un qui est libre penseur, quelqu'un qui ne pense pas comme la pensée dominante, eh bien, on peut le mettre en asile psychiatrique. C'est considéré, le fait de réfléchir, d'avoir du bon sens, c'est considéré comme un trouble mental. Voilà, c'est considéré comme un trouble mental. Et comme dit le proverbe chinois, le trou qui dépasse doit être enfoncé. Voilà, donc il faut pas qu'il y ait de clou qui dépasse. Il faut que tout le monde se taise, personne ne dise rien. Donc j'invite vraiment
à ceux qui sont à ceux qui sont pour ceux qui sont spirituels, de le soutenir spirituellement dans leur prière, de penser à ce docteur dans la prière, et puis de soutenir, de faire chacun selon ses moyens, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le soutenir, diffuser le message, faites connaître cette chose-là, et que on puisse chacun à sa façon se lever, contester et dénoncer ces choses, parce que c'est affreux. Interner quelqu'un, moi j'ai eu de la famille qui a été en asile psychiatrique. Bon, ben ils avaient des, parce qu'il avait des problèmes psychologiques, psychiques, bon. Mais là, quelqu'un qui est en parfaite santé, c'est complètement hallucinant, c'est un scandale, et c'est très dangereux aussi, parce que on peut détruire, avec aujourd'hui avec des traitements, on peut détruire une personne et la faire sortir de là complètement transformée en la maltraitant avec de la chimie, avec des traitements inhumains. Voilà, donc ça, c'est hyper dangereux, c'est de la maltraitance. Donc voilà, vraiment, il faut être sur nos gardes et dénoncer ces choses. Par crayon, par téléphone, rien. Il est devant un mur blanc. Si jamais il s'énerve un peu, bon, il fait une piqûre, mais il n'a rien, aucun contact pour rien. Bien sûr, on n'est pas sûr de ça, mais... C'est pas, il semblerait que ce soit comme ça, que ça se passe dans les autopsychiatriques de ce secteur. Enfin, j'ai appris ça d'une personne qui a travaillé dans ce secteur, qui m'a dit, c'est comme ça que ça se passe, en règle générale, dans ces hôpitaux psychiatriques d'ici. D'accord. Donc, c'est vraiment très compliqué, cette situation. C'est épouvantable. C'est un drame. C'est hallucinant, parce que vraiment, si il y a quelqu'un qui est pas fou, c'est bien un professeur fourpillant. On est bien d'accord. On est d'accord. Si on peut interner comme ça quelqu'un, alors, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est pourquoi il est interné. Mais on ne peut pas savoir si on peut pas lui parler. Mais, donc, le professeur Courtillon, c'est quelqu'un que l'on connaît très, très bien, qu'on l'a croisé plusieurs fois, on l'a eu au téléphone, on l'a vu en personne, il s'exprime très, très bien, il a des idées qui sont très concrètes et très, on va dire, intelligentes. Et, en plus, c'est un grand savant, il a une nouvelle hormone, ça s'appelle la mélatonine. Franchement, c'est quelqu'un d'un très haut niveau scientifique. Qui a un palmarès incroyable de découvertes, de brevets, c'est pas quelqu'un de nul, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, c'est vraiment absolument rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. D'ailleurs, on peut inviter ceux qui nous regardent à se loguer sur Agora TV et d'aller regarder la vidéo qui a été postée hier par Frédéric Chaumont. Qui va vous conduire, bien entendu, sur un lien, parce qu'on ne peut pas le publier entièrement sur la chaîne Agora TV, donc vous allez être transféré sur l'Odyssée. Et Odyssée... Voilà. Donc, ce que je voulais vous lire, hein, je vais en profiter pour vous... ils inventent donc les... nous savons depuis des années que la psychiatrie moderne est devenue un foyer de la corruption et que les experts qui font le DSM inventent des maladies au gré des médicaments que les laboratoires veulent mettre sur le marché. Et maintenant, ils déclarent malade mental quiconque ose s'écarter de ce que les autorités disent être à la norme. Ce n'est pas une blague. La condition pour laquelle une personne peut choisir de résister à la conformité a été listée par la profession psychiatrique comme trouble oppositionnel avec provocation. Donc, TOP ou ODD en anglais. Oppositional Defiant Disorder. Cette maladie est définie comme un schéma continu de désobéissance, d'hostilité, de provocation, et les symptômes comprennent la remise en question de l'autorité, la négativité, la défiance, la contradiction et le fait d'être facilement agacé. Un moyen d'interner les récalcitrants et les opposants au système, le moment venu. Il ne faut pas oublier la réforme de la loi sur l'internement psychiatrique sans consentement légal, votée sous Sarkozy et entrée en vigueur le 1er août 2011. En Union soviétique, de nombreux dissidents se sont retrouvés internés pour un prétendu problème psychiatrique, ce qui n'était rien d'autre que de la répression politique. Voilà la réponse. Quelle est la réalité? Donc, il y a une loi sous Sarkozy qui était passée le 1er août
2011. Et c'est Claire Sévérac qui l'explique dans son livre « La guerre secrète contre les peuples » à la page 342 et 343. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre aussi voilà, où est-ce qu'on en est, quoi, voyez. Donc c'est une honte. Donc ben pour nous, prions pour ce docteur qui est là pour aider les Alzheimer, tous les maladies, les gens qui ont des problèmes d'Alzheimer et d'autres maladies comme ça. Veillons de notre côté, faisons ce qu'on peut de notre côté pour lui, faisons passer le message et puis je sais pas comment on peut faire, mais ceux qui sont près de Uzès, puissent aussi peut-être manifester leur présence autour des locaux. Quelles actions mener, je ne sais pas trop encore. Peut-être aider la famille financièrement, l'épouse du docteur, voir comment chacun peut agir. Voilà. Donc je voulais soutenir en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que pratiquant, croyant. Je voulais vraiment soutenir et puis courage à tous. Et puis voilà, je suis un peu sans mots, moi aussi, je sais pas trop quoi dire, mais voilà. Donc je voulais vraiment dénoncer ces choses. Donc je vous laisse la fin de la vidéo là. Vous aurez donc la vidéo complète où Frédéric Chaumont va vous expliquer exactement tout le système que le professeur Fortillon avait créé et les éventuelles raisons de sa présence ici. Voilà. Et quand on en saura plus, on vous le dira. Avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne de Chloé Favori. Voilà, Chloé Favori ici. Ensuite, vous pouvez trouver. Attendez. Vous avez la vidéo de Aïssama Obala. Obala, ouais. Où il parle du professeur ici. Il y a du très lourd qui arrive. Il y a une mobilisation incroyable suite aux premières vidéos que j'ai faites. Voilà, vous avez là, il parle de. Je ne pensais pas en moins d'un quart d'heure de voir autant de. Alors ici, vous avez donc, il parle du professeur Jean-Bernard Fortillon, interné à l'hôpital psychiatrique. Là, ils vont vous exposer un peu son CV. Il y a Aïssam qui expose un peu le CV du docteur. Et là, il y a un avocat qui s'appelle David Guillon, qui va peut-être aussi aider le docteur. Donc voilà. Et là, vous avez ici vérité-covid19.fr, où vous allez pouvoir retrouver ici les vidéos. Vous avez les vidéos ici, la vérité sur les vaccins, sur la chaîne Odyssée. Recherche biomédicale de phase 1, sur laquelle il reviendra plus en détail tout à l'heure. Je vais donc leur donner la parole. Alors, docteur Tachaler, encore une fois bonjour, et ravi de vous recevoir cette fois-ci en présence. Alors, je vais vous montrer le visage du professeur sur la chaîne Odyssée, parce que peut-être que vous voyez pas son visage. Et cette vidéo est très importante, celle que je vous mets là. Elle est vraiment très, très importante aussi à voir. La vérité sur tous les vaccins. Elle est sur la chaîne de Odyssée de Jasper Madère, ici. De par le monde. Voilà, vous l'avez donc, là. J'ai dénoncé. Ça, c'est le professeur. Devant cette toxicité, un écrivain au président de la République, qui ne m'a d'ailleurs jamais répondu, mais depuis cette époque, pour réagir, il ne m'a jamais parlé de la toxicité de l'aluminium. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, il parle de la toxicité aussi de l'aluminium, que moi je dénonce depuis des années, j'en parlais même à ma maman, à ma mère de l'aluminium et tout ça. Donc ce professeur dénonce pas mal de choses aussi. Donc il est gênant, quoi. Je pense à ça qui était à l'origine, hein, d'après ce que beaucoup de gens ont dit, à l'origine des nouveaux cas, des très nombreux cas d'autisme. Et je rajoute que je ne connaissais pas encore le docteur Christian Tachaler, qui est devenu un ami, mais je le connais depuis peu de temps, depuis 4-5 mois,
depuis le mois de décembre peut-être. Et c'est lui qui m'a pris le vaccin. Je ne connaissais rien, je connaissais le côté toxicologique des vaccins. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver cette vidéo. Donc allez la voir sur Odyssée, j'espère Madère, la vérité sous tous les vaccins. Et puis essayez de voir les vidéos qui ont été faites avec le professeur Fourtillant. Ici, vous avez aussi, vous pouvez voir Vaxxed, et vous avez les liens ici. Vous voyez les toxicités, tout ça, vous avez les liens ici. Donc très intéressant, vous avez plein de sources là. Et un lien vers le film Vaxxed. Alors, je ne sais pas si le lien il est encore bon. Ça, c'est un documentaire sur la vaccination que vous pouvez voir. Non, la vidéo n'existe plus. Mais moi, je vais la downloader. Je vais les downloader sur mon compte, à moi. Les vidéos Vaxxed 1 et Vaxxed 2, je vais tâcher de les downloader sur ma chaîne Odyssée. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Soutien à ce professeur qui est un homme brillant, intègre, soucieux de l'intérêt de chacun, des citoyens. Vraiment, moi, ce monsieur me touche beaucoup. Et puis je trouve que c'est une aberration de mettre cet homme de l'internet dans un asile psychiatrique, tout simplement pour... c'est comme s'il le mettait en prison, quoi. Et puis après, bon, il le drogue et tout ça, hein, donc... prions pour lui, mettons-le en prière, hein, et puis prions le Créateur, prions Dieu de l'aider, aidons-le avec nos prières et puis avec nos actions aussi, surtout. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.